Bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes dans un des vestiaires de l'aréna où se déroule le Conseil général. Tyson, qu'est-ce que c'est cet endroit? Alors, nous avons créé pour le Conseil général une salle de prière qui offre la possibilité aux délégués et à toute personne qui participe au Conseil général de prendre un peu de repos, de se recharger avec la prière, ensemble, avec d'autres personnes, tout seul, dans leur langue. Il y a beaucoup de possibilités. Et on voit derrière moi, il y a des cartes, mais il y en a vraiment sur tous les murs. Qu'est-ce que ces cartes-là? Alors, l'équipe a décidé de prier pour chaque charge pastorale à travers le Canada. Toutes les paroisses? C'est ça, plus de 3000 paroisses à travers le pays. Non seulement ça, mais les délégués, les présidents des synodes et tous les visiteurs internationaux. On a prié par nom chaque personne. Donc, chaque paroisse, c'est ça, on a prié, on a nommé leur nom. Chaque délégué, on a nommé leur nom en temps de prière. C'est ça, je comprends bien. Absolument. Et pour être plus précis, ce qu'on voit ici, c'est ministère en français. Donc, ça, c'est toutes nos paroisses ministères en français qui sont ici puis qui ont été priés. Les gens, on a prié pour eux. Absolument. Comment était cette expérience-là? Est-ce que c'était multilingue? Qui nous a offert du leadership? Pourrais-tu nous en parler un peu plus? Il y a une grande équipe qui est responsable pour ça. Il y a notamment Chris P., il y a également Angelica Pichet qui a travaillé fortement sur ça, Connie Denbach qui a fait la belle mise en page très coloriée que l'on voit. Il y a aussi un grand nombre de personnes qui vont mener les prières. Il y a des prières trois fois par jour avec beaucoup de participants. On a prié en français et en d'autres langues. J'étais vraiment impressionné par le nombre de personnes qui ont prié avec nous en français. En plus, c'est très bien parce que c'est très actif ici au Conseil général et ça nous donne un petit repos, un changement d'atmosphère pour vraiment nous centrer. Et c'est très important. Comme quoi, un temps de prière, c'est une façon de peut-être de gagner du temps un peu plus tard, de se recharger, de se vider l'esprit, de se recentrer, puis continuer le travail avec un peu plus d'énergie, peut-être. Absolument. Ce sont des activités très importantes ici au Conseil général. Il faut bien penser, bien réfléchir, et ça nous donne un moment de participer avec d'autres personnes dans une situation avec moins de pression. On est ensemble, on partage quelque chose. C'est vraiment ça l'idée. Bien, merci beaucoup, Tyson, de nous avoir expliqué cette salle de prière qui est vraiment impressionnante. Merci d'être là. Merci de continuer à nous suivre et suivre notre couverture du Conseil général. Alors, à très bientôt. Bye-bye.